Maurice Barthélémy et Judith Godrèche ont été en couple de 2004 à 2012. Ils ont eu, ensemble, une fille baptisée Tess, qui a aujourd'hui 18 ans. La jeune fille fait d'ailleurs une apparition dans le nouvel ouvrage de son père. Il est de retour en librairie, enfin, avec un projet assez étonnant. Maurice Barthélémy sort, le 25 mai 2023, un roman photo intime intitulé Sexologie. Dans ces quelques pages, édité aux éditions Michel Lafon, l'ancien membre de la troupe des Robins des Bois évoque des sujets privés, notamment ses problèmes d'érection. Il y glisse surtout de l'intime, notamment avec la présence de sa fille Tess, fruit de ses amours avec son ancienne compagne Judith Godrèche, qui fait un caméo. Invité sur France Inter par Nagui, dans l'émission La Bande Originale le 15 juin 2023, Maurice Barthélémy s'est réjoui en expliquant qu'il passait désormais plus de temps avec Tess. Père et fille étaient, autrefois, séparés par l'immensité de l'océan. Et cette proximité, aussi joyeuse soit-elle, procure à l'acteur quelques angoisses. Elle a vécu longtemps aux États-Unis et depuis peu elle est rentrée en France, a-t-il expliqué. Donc je la vois vraiment beaucoup plus qu'avant. Et si est-il vrai que cette crainte elle est constante? J'y pense tous les jours. Je me dis que j'ai une fille de 18 ans qui prend le métro, et j'ai toujours un peu peur. Je ne la protège pas mais j'ai la crainte constante qu'elle se fasse embêter un peu partout. Maurice Barthélémy a été en couple avec Judith Godrèche de 2004 à 2012. Dans un précédent livre, Corps comme un hypersensible, l'auteur et humoriste racontait que leur séparation l'avait complètement essoré. Loin de vouloir garder ses écrits secrets, il avait d'ailleurs transmis une copie de l'ouvrage à leur fille Tess. Mais elle ne s'y est pas penchée. Pas plus que sur la nouveauté, Sexologie. Je ne lui ai pas encore filé, a avoué son père. Mais par exemple, le bouquin précédent sur l'hypersensibilité, je le lui ai passé et elle m'a dit si est-il super je le lirai. Et depuis 2 ans, elle ne l'a toujours pas lu. Elle me dit, mais papa, Victor Hugo, quand il a écrit Les Misérables, si ça se trouve, ses enfants ne l'ont pas lu. Retrouvez l'interview de Maurice Barthélémy, sur France Inter, dans l'émission La Bande Originale du 15 juin 2023.